Eh bien bonjour, voici Serge de Rayon Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette très belle voiture, cette très belle Chrysler New Yorker année 1949. Voilà, j'étais de passage, hein, comme d'habitude, un petit peu chez un de mes concessionnaires préférés ici sur Portland. J'ai cette voiture à accrocher mon regard, et puis je m'y suis un peu penché un petit peu, il vient juste de la recevoir. Elle est vraiment intéressante par le fait qu'elle est vraiment dans son... Elle est vraiment d'origine, tout est d'origine, hein, jusqu'à la peinture, qui donc forcément étant d'origine n'est pas de première fraîcheur, mais qui a malgré tout de très beaux restes, hein, elle présente très très bien. Elle a de jolis chromes, on voit la grille, pare-choc, donc tout ça est encore vraiment très très bien conservé, de belles roues. Donc une voiture qui a passé sa vie à Portland, elle est locale, dans la même famille, et qui n'a que 32 650 miles actuels, donc confirmé. Elle tourne sur un moteur, sur un 8 cylindres en ligne de 323 cubic inch. Elle a la fameuse transmission Fluid Drive, qui est un petit peu, je dirais, entre l'automatique et la manuelle. Hein. Et voilà, donc une sellerie en excellente condition d'origine. Voilà, donc la peinture est pratiquement d'origine avec quelques retouches simplement. Toujours conservée dans un garage et bien entretenue. Voilà, et elle se conduit comme si nous étions toujours en 1949. Et ça, je peux le confirmer parce que je viens de la conduire. Et d'ailleurs, je vais vous emmener faire un petit tour avec, vite fait. Voilà, donc un rapide tour de la voiture. Hein. On voit une peinture, pas de bulles, bien sûr. De toute façon, s'il y avait des bulles, pour sur le tour de 1949, ça serait, ça serait compréhensible, mais il n'y en a même pas. Donc, voilà. Joli chrome, j'aime bien le gros, voilà, le fameux, l'indication Fluid Drive, hein, pour indiquer le type de transmission. Voilà, allez, allons-y. L'intérieur est très très beau aussi. Et alors, elle est vraiment sympa à conduire. Très souple, très, très silencieuse. Et tout semble fonctionner. On voit les jauges qui fonctionnent. Un très beau cadran ici, hein, un ensemble de jauges avec le voltmètre, la pression, la jauge d'essence, pression d'huile et la température, hein, les classiques. Voilà, on a un compteur total et journalier, et un compteur de vitesse. Alors, elle a un très très beau tableau de bord, il est en excellent état. Hein. J'ai mis le chauffage, il n'est pas violent, mais il semble fonctionner. On. Ah, fan, voilà, donc là. Ah bah oui, ça va beaucoup mieux avec l'air pulsé, hein, l'air... Donc voilà. Joli klaxon, hein, classique, typique des voitures de ces années-là. Un très bel intérieur, je dirais. Les panneaux de porte sont magnifiques. Le ciel de toit aussi, j'adore le ciel de toit. il est extrêmement bien, toujours bien tendu, bien placé. Et il a cette couleur-là un petit peu... On va parler de patine, bien sûr, sur du tissu comme ça. Mais... De cette couleur ancienne mais en très bon état, et sellery d'après la petite affichette, donc sellery d'origine, hein. Donc c'est vraiment impressionnant. Voilà, allons-y. Bon, tiens, donc la fameuse Fluid Drive, hein, donc là je vais quand même débrayer, passer la première, non je m'en souviens plus, oui c'est ça. Première en haut, et bien sûr on va enlever le gros frein à main avec la poignée rouge qu'on ne peut pas rater. Voilà, et allons-y, ouais, c'est bien ça. Et j'ai calé, ouais, j'ai pas donné assez de régime. Alors bien sûr, la batterie en 6 volts, on va arrêter tout ça. Donc je suis bien en point mort ici. On va redonner un coup d'essai. Petit peu de gaz peut-être. Non, when you stop, you don't have to press the clutch. That's weird, hein? Yeah. And then when you start, you just press the accelerator. Yep. Bien, mais me voilà de retour donc dans cette Chrysler New Yorker de 1949, donc suite à l'épisode précédent où en fin de compte, je suis tombé en panne d'essence, tout simplement.
Donc il semblerait que la jauge d'essence soit fausse, quoi, indique un mauvais niveau. Voilà, donc Mike est venu à la rescousse, et voilà, je me fais ramener, donc là, cette fois, je... Yep, you let go, and then it shifts by itself. Voilà, c'est un petit peu... Il faut prendre l'habitude de ce système, on ne sait pas trop si on est dans une manuelle ou une automatique, hein. Donc en fin de compte, c'est ça, quand on est en deuxième, donc on départ en première avec l'embrayage, pédale d'embrayage enfoncée, ensuite on utilise encore la pédale pour passer en seconde, et à partir de là, c'est fini, on est pratiquement en automatique, c'est-à-dire que une fois qu'on est sur route, qu'on veut passer en troisième et au régime correct, il suffit simplement de relâcher la pédale d'accélérateur, et la voiture passe en troisième automatiquement. Et ensuite, on peut redescendre, par contre, on peut rétrograder jusqu'à l'arrêt complet, un feu ou un stop, sans toucher à la pédale d'embrayage. Donc, c'est ce qu'on appelle cette fameuse fluid drive transmission. Voilà, donc, et comme je le disais tout à l'heure, hein, donc vraiment une voiture qui est vraiment, vraiment agréable à conduire, elle est douce, elle est silencieuse. Et tout semble bon. Elle a 32 000 miles, hein, on l'a dit, 33 000 bientôt. Et ça se sent donc à la conduite. Voilà, on voit une voiture qui ne vibre pas, qui ne cogne pas, qui ne claque pas. Elle est facile à conduire, elle tire droit. Et voilà, comme le dit la petite affichette, elle se conduit comme en 1949. Voilà, c'était Serge, hein, donc pour la suite et fin de cette présentation. De cette Chrysler New Yorker de 1949. Merci et à bientôt.